C'est un spectacle qui a été écrit pour vos yeux, madame. Impossible de ne pas le reconnaître. Ça roule pour Ambroise Michel alias Rudy dans Plus belle la vie. Loin des studios marseillais, il trace sa route dans les rues d'Avignon. Patrick, 18h45, côté du roi René. Il veut séduire le public et le convaincre de venir voir Bad Trip, la pièce qu'il a lui-même écrite. Cette pièce, elle était écrite pour toi, je suis désolée. Au début, vraiment, juste pour voir l'acteur de Plus belle la vie, quoi. Et en fin de compte, bah, on le met tout à fait de côté, l'acteur, et c'est vraiment une autre personne. À quelques mètres de là, une autre star de la série attire les flashs. Luna Torres, Anne Dessis de son vrai nom. Elle est également sur les planches avec Les Bougres, une pièce sur la prise de Carcassonne au XIIIe siècle, un univers très éloigné du quartier du Mistral. Il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ah bah tiens, vous êtes là !» comme si j'avais pas le droit de faire autre chose. Donc ils sont toujours surpris qu'en fait je ne sois pas qu'un personnage et que je fasse mon métier. Donc voilà, ben, on dit ben non, au contraire, l'intérêt de ce métier, c'est pouvoir faire plein d'autres choses. Donc être à Avignon, ça fait partie aussi du métier de comédien, quoi. Mais si vous venez, restez à la fin, parce qu'après on aime bien en parler, comme c'est une pièce que j'ai écrite, j'ai besoin d'en parler avec les gens. Avec plaisir. Ça permet à des gens qui n'ont pas l'habitude de venir au théâtre de venir, c'est-à-dire qu'au début ils viennent pour le côté comédien de Plus belle la vie. Et du coup, après, quand ils en ressortent, ils ont envie de voir d'autres pièces et tout, c'est bien de pouvoir amener des gens qui n'ont pas l'habitude de cet art-là, quoi. Pas une pute, c'est un mec. Roule, arrête. C'est un acteur de Plus belle la vie, donc forcément il y a une curiosité aussi un peu plus poussée pour savoir le rôle qu'il a de différent dans cette pièce de théâtre. Que les croisés seraient accompagnés d'une immense armée de miséreux enragés. Autre ambiance sur la scène de la fabrique, ici, pas d'effet Plus belle la vie. Le thème a interpellé, il y a d'avoir une belle mise en scène, ça a l'air assez un bon spectacle qui bouge, enfin voilà, en mouvement, donc c'est ça qui m'a intéressée. Un retour aux sources pour Anne et Ambroise, vous ne le saviez peut-être pas, mais tous les comédiens du feuilleton ont démarré au théâtre.